Est-ce que ça vous arrive quand votre télécommande ne marche pas, vous faites ça? A few moments later. Désolé de tiquer, mais tiquer c'est ce que je fais. Et si vous me voyez tiquer, cette chanson est pour vous. Je ne contrôle pas mes mouvements ou les mots que je dis. Et quand je suis stressée, ils sont de pire en pire. Arrêtez de dire que je mens, car c'est vraiment gênant. Et si je pouvais les enlever, croyez-moi je le ferais. Mon pote, il me fait une déclaration d'amour comme quoi qu'il a envie de sortir avec moi. Dans la seconde qui suit, comme si ce moment était pas assez gênant, je me tape une diarrhée et dois m'arrêter dans un chemin. Ça fait 10 minutes que je suis en train de chier, j'arrive pas à m'arrêter, putain. La honte, j'ose pas y retourner. Ne la jette pas. Pourquoi la jeter? Revends! Tu peux te faire de l'argent sur le dos de celui qui t'a brisé. Revends! Au moins récupérer du bénéfice à tout ça, tu vois. Revends, jette pas. Venga, primo! Oh! Non. Prendalo! Je savais qu'il n'acceptait pas. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entré la blancherie pour acheter cuicui la praline. C'est quoi ça? Elle a commencé à rigoler. J'ai honte. Oh, je te crois jamais. C'est fini. Oh, j'ai honte. La place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Chez les cerfs, nous draguons la femme avec nos odeurs. Ah. C'est comme ça que j'attire ma femelle. Avec mes odeurs naturelles. Le français, il est toujours rapide, il n'a jamais le temps. L'américain, élégant, petite gestue tranquillement. Le français qui se croit stylé, toujours tête en l'air celui-là. L'américain qui se croit stylé, incroyable, envoie un petit coup, pa pa.
pas mal cette nouvelle. Hein. Un roof gangsta, toujours les bras comme ça. Après tout, par que pas. Ah, c'est qui ça? Coupe-moi sa coupe. C'est qui? En fait, c'est Loubna. Je sais pas, Mskina, elle est toujours là, Wallah. Maman, on mange quoi ce soir? On mange le couscous. Ah, trop bien! Chez les Français. Maman, on mange quoi ce soir? Des escargots farcis, mon cher. Ah, ça faisait longtemps. Chez les Gitans. Hé, maman, on mange quoi ce soir? Ce soir, on va manger tes morts. Si tu dis que Dieu supporte pas les gays, là, ben dis-moi donc, c'est quoi ça? Pride. Les expressions anglaises qu'on ne peut pas dire en français. A piece of cake. Il était facile cet examen. C'était vraiment une part de gâteau. Ah non? To raise the roof. Putain mec, j'ai tellement géré, j'ai rehaussé le toit. Quoi? The last straw that breaks the camel's back. Ça me gonfle là, c'est vraiment la dernière paille qui casse le dos du chameau! Le chameau? Amazir, s'il te plaît, tu veux bien te donner la peine de venir m'aider? On a des invités ce soir. Très bien, mère. Souhaitez-vous que je vous aide avec le caviar? Amazir, viens éplucher les pommes de terre, on a les invités. Ah, j'arrive! T'arrives! Mon petit lapinou? Faut se réveiller. C'est l'heure. Le petit déjeuner est prêt. Maman va te ramener à l'école, d'accord? À tout de suite, mon cœur. My honey? Oh, it's time to wake up, okay? The breakfast is ready. I love you. João Pedro, acorda! Oh, lambão do caralho, acorda! Estás sempre... Vá! Pensas que isso é vida? Vai, mas é trabalhar. Acorda, caralho, que foda, pá. Foda-se. Ma voix après avoir passé un jour avec Kobalade. Ma voix après avoir passé une semaine avec Kobalade. T'as capté? Ma voix après avoir passé un mois dans le bat-set avec Kobalade. Parler une langue que le reste de ta famille ne parle pas. Le retour. Papa, pour le barbecue, tu peux acheter des... Comment ça s'appelle? Des eggplants. Tu vois ce que c'est? Dis, t'abuses un peu quand même. Hein. J'ai des bases en anglais. Hein. Bah, je sais pas. Moi, je sais plus comment ça s'appelle en français. Mais pourquoi tu veux ça pour le barbecue? Bah, pour les faire griller. Ok. Comment il a dit que ça s'appelait? C'est plante d'œuf. Qu'est-ce que c'est une plante d'œuf? Ça pousse pas sur des plantes. Yeah, baby, your first word is gonna be in English, right? It's gonna be mommy. Mommy. Non, non, d'abord elle va parler français. Tu vas dire papa. Ou alors n'importe quoi en français, je suis pas difficile en fait. Hola. Hein? C'est pas du français ça. Oups. Vous venez de me prendre un selfie? Non, ne dites pas qu'il a encore refait ce fameux bug du flash qui s'allume tout seul. Non, parce que en ce moment, il est rempli de virus. Bip, je m'appelle Oudine Abbas. J'ai 19 ans. Je viens de Bangladesh. Je suis boulanger. J'habite à Toulouse. Je ne sais pas parler français. Bip. Bip. Non, je panique, je l'ai dit, je panique. Et quand je panique, qu'est-ce qu'on fait? On mange du saucisson, c'est parti. Bon appétit. Voilà, ça fera 14 euros, vous avez la carte du magasin? Je l'ai, mais je l'ai pas sur moi. Pas de problème, est-ce que je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? 1er décembre 1995. 1900 quoi? Oh, 95, pardon. Désolée, je suis belge, on dit 90. 1995. Oh, d'accord. C'est marrant comment vous prononcez ça. Comment vous dites 90? Oh, c'est marrant. Voilà, merci. Avant que vous partiez, je tiens quand même à vous dire que, pour une Belge, vous parlez vraiment très très bien français. On ne dirait pas du tout que c'est pas votre langue, quoi. Merci. Wesh, t'as des invités. Fais-le rentrer. Eh, on peut se moquer. Que j'ai dit audio. Ah, Billy Jean. Toi là, t'étais un bon. Et toi aussi. J'ai pris commis. Black Mamba. Une légende. Ah oui. Il fait quoi ici? Qui t'a invité? Oui. Descends là-bas. Je suis en galère. C'est pas grave. Je vais te gifler.
Les expressions anglaises qu'on ne peut pas dire en français. You're a badass. Tu t'es battu, mec? Putain, mais t'es un mauvais cul. Mais je ne me bats pas avec mon cul. To sit on the fence. Écoute, je sais pas là, je suis assis sur la clôture. To jump off the frying pan into the fire. Je l'avais prévu pourtant, mais elle a sauté de la poêle à frire directement dans le feu. Mais comment? Jusqu'à ce que Ouattara retire sa candidature illégale, anticonstitutionnelle. Faire les courses en France, check. Excusez-moi, je viens de voir que vous avez scanné les pâtes à 5,90€, les pâtes bio, mais c'était écrit que c'était à 50%, donc je crois que vous êtes trompé. Excusez-moi, 5 combien? Ah oui, d'accord, je suis suisse, en Suisse on dit 90, mais 90 du coup. Vous dites sincèrement 90? Oui, oui, je vous assure, au lieu de dire 80 plus 10, on dit direct 90. Xavier, tu savais qu'ils disent 90 en Suisse? Excusez-moi, mais ça m'amuse. C'est pour moi, c'est ma pour moi. Avant, le débat avec mes potes, c'était, tu prends plutôt ta douche le matin ou le soir? Maintenant qu'on n'en prend plus, le débat est résolu.